Gospel according to Matthew, when I'm going to tell you, it's in the Bible. Chapter 25.
l'homme délivré dans les bases. Comme les poules gardaient toutes sans soupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici les poules, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, les poux arrivèrent. Celle qui était prête entrera avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, parole du Seigneur. Que le Seigneur béni, pour ceux qui écoutent ça, pour édifier nos mêmes avec vous. Et que les serviteurs et serviteurs, comme un beau canal, pour que les bontés pour nos nourritures, un breuvage spirituel nécessaire. Amen. Non. Amen. Amen. Si toutefois j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi le sujet de toi. Car la nécessité, moi-même, est posée mal à moi. Si je n'annonce l'évangile. Par rapport à ça, menez-nous sur le monde des origines. Donc, tu as besoin de lire chapitre 23, chapitre 24, pour ne pas avoir le parcours Jésus-Christ, pour arriver sur le mont des Oliviers, côté que l'Ibal continuer à enseigner ici, sur la vigilance, mais tout sur le royaume de Dieu. Ok? Et ça, c'est un enseignement vigilance. Et nous avons ça dans l'enseignement qui est passé là, nous supposons. Arrivé dans le monde des Oliviers, dans le parcours de Jésus-Christ, le bon travail est à faire parce que l'été allé dans le temple, il est allé avec le sacrificateur. Vous voyez pour le chapitre 23, 24, dans le sentier, il est allé avec le sacrificateur, les anciens du peuple. Après ça, il est traversé Cédron. Cédron, à le monde des Oliviers, c'est environ 1000 mètres comme ça. Donc, 800 mètres comme ça, il est traversé et c'est bon. Et là, il était échappé en bas de question que tu as posé le bouillot des pots qui chantent. Et il faut un genre, il est détourné. Mais il prend 100, même s'il a détourné des questions, pour lui capable de censurer par les élèves. Pour lui dire, puis ça, ça a fait qu'il va pouvoir par rapport à ça. Pour Dieu, il faut faire. Il censure, il prend dans tout pour le détour. Prophétiser sur le temple. Et le film fait ça, il est entretenu avec la foule, dans chapitre 23 et chapitre 24, là, il a continué à enseigner le peuple. Donc, par rapport à dit Virgio, c'est une parabole qui montrait exactitude, ou bien chaque fait, ou chaque symbole, ou chaque caractère. Montrer exactitude et eschatologie. Après ça, juste le dit la fin des temps, qui est Jean-Paul Barrette, fini, lui expliquer exactement ça, prophète Yodi, lui expliquer exactement ça, apôtre Yodi. Parce que apôtre Paul dit, et lui-même tout sous eschatologie, il y a des bagages qui exactement ça. Donc, la parabole dit Virgio, lui vraiment important pour l'église là capable. Donc par rapport là, nous connaissons déjà nos lits, nous avons regardé ensemble avec le caractère. Chaque symbole est au dans la parabole ça, et que nous sommes capables d'arriver et desservir qui ça l'église là besoin. Diviagio représentait l'église entière. C'est l'église entière, l'église tout ensemble qui attend Jésus-Christ venu pour les noces de l'âme. Et les dix vierges d'ailleurs, c'est vous-même avec moi. C'est l'église
bail pour établissement royaume bon Dieu. Et les noces que l'agneau gagne pour lui célébrer avec l'agneau, Jésus-Christ, et l'Église comme fiancé. Et le dit en confusion entre dix vierges qui représentent l'Église entière, captant et qui nous dit, mais à côté de ça, c'est l'Église tout qui fiancée de Jésus-Christ. Ça a dit j'ai emboté et à confusion. N'a placé tête nous. N'a de côté, n'a placé tête nous comme un captant qui voulait préparer à qui bien aller vouloir fiancer, mais parce que ce n'est pas nous-mêmes qui fiancent, ce n'est pas votre fiancé. C'est l'Église de Jésus qui est fiancé. On le ça bien, parce que l'Église est une entité et que moi-même, je fais partie de lui comme mon corps. Ok? Mais après ça, moi-même personnellement, captant. Ok? Mais l'Église qui finit par moi, la vie de son Église. Et puisque moi, je fais partie du corps, puisque moi, je suis dans le corps, et puis moi-même, voilà. Mais comment ça va dire? Mariage, bon, j'ai un mariage qui est célébré dans l'époque là. Parce que pas une petite parabole, c'est une métaphore. Après, il montre nous qui ça, on fait naturel, qui doit expliquer un bagaille surnaturel. Après, c'est une histoire, c'est un bagaille qui intéresse, mais qui explique nous comme réalité céleste. Après, mon Dieu, on entend, on comprend ça, il a parlé de la palais du mariage là, de. Nous devons comprendre qui ça dit. C'est que Jean-Marie a dit c'est que le fiancé a dit au côté, alors fiancé fille a au côté, merci beaucoup. La tante et fiancé garçon, et pourquoi nous avons un garçon avec lui. Ils ont côté la tante. Pendant qu'on côté la tante, il y a les filles d'honneur qui ont même dans le jour, ils ont participé dans le mariage. Tout le monde qui est intéressant. Ça qui est important, c'est que tout le monde compte jouer mariage. Tout le monde compte jouer mariage. Mais personne ne va compter à qui l'heure mariage va faire. Tout le monde compte jouer parce qu'on connaît jouer de minuit dans le jour, aujourd'hui à minuit dans l'autre. C'est dans l'espace que mariage va faire. Mais pièce ne va pas compter à qui l'heure monsieur a passé. Et c'est ça qui fait. Fille d'honneur, yo caché. Et bien, on a un cap siré pour bah, un signal que monsieur a passé pour que il y aura un chef dans le ciel. Nous devons comprendre que la Bible dit Jésus a fini et pièce nous par contre jour. Est-ce que vous avez dit Père, vous avez dit il dit nous, mais qui c'est en constance là-dedans Jésus a fini. Est-ce que la Bible dit nous que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, et yo irreligieux, yo aimé là, non plus passer. Bon Dieu, c'est pas ça nous rappelle là. Hein? Et pas ça rappelle là. La Bible dit nous que y a un moment qui a venu petite par contre papa, papa par contre petite, maman par contre famille, n'attend des bruits de guerre partout. Est-ce que c'est pas ça qu'on fait là? Qui donc nous dans le jour? Nous dans le jour avec nous dans la Aguilar. Aguilar, nous ne parlons. Et bien, peut-être nous ne parlons pas, nous supposons préparer. Mesdames, nous préparons. Nous préparons tout ça. Le fait que c'est nous, nous avons toute joie et nous parlons Aguilar, c'est sûr que la fête est dure. Nous préparons pas, nous voulons essayer nous. C'est sûr que dans le moment, soleil est chaud. Nous préparons pas, nous parlons tête. C'est sûr que dans le moment, il y a soif de l'eau. Nous préparons peut-être que nous avons l'eau. Mais c'est sûr que nous sommes capables de l'eau. Je veux sur un côté en lampe. L'homme là, il va marcher à l'eau, il va marcher à cacher, il va marcher à bibi. Ou bien je mettais la donne, l'huile. Et bien tout le monde, tout pareil, l'huile. L'homme là, faire seul dans le Seigneur, c'est la vie. L'homme là, c'est la vie. La vie, nous, non, nous. Il va mourir de connaissance. L'épanoui de nouvelles, l'épanoui de bagages, n'a pas raconté. Non, nous nourris de la présence de cet esprit. Et nous besoin de la présence de cet esprit, non? La vie, pour que nous parlons de Christ là. Et le fait que nous besoin de cet esprit, nous besoin de que nous avons la condition à faire cet esprit toujours présent et vivant dans la vie. Mais
Saint-Esprit à lui-même. You can't run in the world, man. You can't run in the world, wait. You can't get a spirit, not seriously, you can't run. Saint-Esprit là. Écoutez, Saint-Esprit. La parole de Dieu est pour nous dans la prière. Donc, on a besoin de cet esprit dans la parole. On a besoin de lire la parole, on a besoin de méditer la parole, on a besoin de pratiquer la parole. Et ça, en plus de ça, tout ça, c'est cet esprit qui vous enseigne, qui l'enseigne. Parce que cet esprit, c'est paraclète là, c'est professeur, c'est enseignant, c'est consolateur. Jésus-Christ est la bonne nom, l'homme consolateur. Qui pour avec nous, c'est cet esprit. Pas de l'église sans cet esprit. Pas de chrétien sans cet esprit. Je dis pas de chèque et bien foot sans cet esprit. Donc, besoin que cet esprit sans Jésus. Allez, vous mettez Jésus dans l'église. Le l'église d'aller, il faut bien que Jésus dans l'église. Ou pas qu'à l'église tout sans cet esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'église là, il y a deux catégories de gens. C'est 10 vierges, mais là-dedans, il y a 5 sages et 5 forts. 5 sages qui songeaient que ça a besoin et qui connaissent ça qui est important. Donc, ça a besoin, c'est lui. Pour l'homme. Et bien, il y a 5 forts qui. Vina le yo. Yo pa de lomba. Ti sa teni la don de pile ya. Li tou la don. Paske si se despo ki te konvet ou fo konvet. Mou baka ou ide ave. Kou se despo ki te fo. Ki te konvet ou de peje ya seulement. Ou bezwe se despo ki te konvet ou. De peje ya. Mou bezwe kon se despo tou pou konvet ou de realite peje. De realite siel la. E sa ou bezwe. Chaque jour de la vie va renouveler pour vous rester toujours dans la présence. Parce que la nature a ouvert du vide sous retirer cet esprit qui l'homme bagaille qui a pris en place. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'homme bagaille qui a pris en place, il va plus en place à bloquer dans le ciel. Il y a pris en place à bloquer dans le ciel. Il n'y a pas qu'un bruit. C'est là où il y a accepté Christ. Nous scellés par le Saint-Esprit. Et son ça souffre nous, c'est lui qui identifie nous comme mon Christ. C'est lui qui identifie nous comme mon royaume. Est-ce que nous tous sommes ça en fait? Est-ce que nous avons tous été scellés du Saint-Esprit? Ou encore est-ce que Soa est toujours là dans la vie? Frère et sœur dans le Seigneur, tôt ou tard, Jésus a fait. Qui nous voulait, qui nous va dire, Jésus a fini. Qui ne fait les âmes, qui n'a pas fait, Jésus a fini. Qui nous planifie pour 100 ans, pour planifie pour 2 ans, 10 ans, Jésus a fini. Et si on constate, on peut dire que ça a été dit, effectivement, il n'y a pas fait. Pour que ça arrive. Maintenant, est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle des 10 vierges? Ils sont là, dans l'espace où ils attendent. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont barrés? Il y a des gens qui sont dans l'espace là-dedans. Ils viennent prier, ils viennent adorer, ils chanter. Mais est-ce qu'on parle? Dans l'espace là, c'est où? Mais côté élément qui est important, ils sont l'autre bagage. Est-ce que vous parlez? Et l'heure de pouvoir arriver, dans 20 minutes, les joints, les derniers abdomen. Même si on parle du Seigneur, le texte n'a pas dit, vous voulez l'abdomen, ça je vais l'abdomen, tout le monde l'abdomen. Mais ça arrive, c'est que dans notre corps, de fatigue, nous sommes fatigués. Regardez? Tout le temps, marché, nous faisons ça, nous ne l'avons pas pris nous. Nuit nous, fort. Et la douleur, nuit nous, fort. Et nous allons coucher, nous fatiguer, nous allons dormir. On parle de dormir, sommeil naturel. Nous dormons. Nous
assez. Mais pour la taille, c'est que nous comprenons qu'à plumer en temps. Yes, nous fatigués. Yes, nous dormons. Yes, nous découragés. Nous nous posons pour Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Pour que ça avance, le pouvoir de sa chose. Tu as parlé à mon conseiller. Pour que ça, ou qu'à toujours poser des questions après ça, pour retourner sur vous-même. Je pose des questions. Et j'en pose des questions à Dieu. Mais l'Éternel dit, je n'ai pas péché. Yojou. C'est pas vous qui savez en parole là, si je n'ai pas péché, mais j'en pose des questions. J'en maudis, je le fais là. Mais il n'y a pas péché pour ça. Parce que non. Courage. Nos forces faiblesses, nous comme nous. Nous comptons fatiguer nous. Nous comptons fâcher nous. Nous comptons fâcher nous, pas vous. Nous comptons fâcher nous. Mais nous avons la flamme. Mais lorsque Dieu est dans son œil, mais le son rebat, le appel a dit, mais nous l'avons fini, premier ça y est fait. Vous pouvez parler l'autre. Même si vous découragez, même si vous tourmentez, même si vous posez des questions, le premier est là. Flamme qui est dans l'allumé. Parce que découragement, ça, c'est pas ton découragement spirituel, c'est de la fatigue. Il a levé et il a préparé l'homme. Qui est en plus rouge. Qui va à Jean. Il est bon, ça est manqué. Et nous qui dénommons le royaume, t'as dit que nous dénommons. Nous dénommons pour la vie. Mettez là. Nous dénommons pour consulter tout le bagage. Est-ce que nous avons tout le bagage? Est-ce que nous avons tout le bagage? Nous dénommons pour ça. Mais le sommet la partie avec lui, va pas. Frère, soeur dans le Seigneur, assurez-vous qu'on met tout le bagage. Assurez-vous que tout le bagage est en forme. Assurez-vous qu'on met tout le bagage. Moi, si vous voulez savoir que des gens qui ont porté. Ils ont porté la vie au maquillé. Là, c'est une fois belle, là, elle a la fin. Ils ont porté l'eau, ils ont porté manger, ils ont porté sur eux. Ils ont porté mon bon, ils ont passé dans le bouche, ils ont dit, dans l'eau, ils ont manger pour nous manger. Mais la jeune songeait que l'homme a besoin de lui. Dans un chrétien dans l'église là, qui finit de la prière, de la prière pour l'autre machine, de la prière pour l'autre caille, de la prière pour bagaille, de la prière pour Timothy à la collège, de la prière pour retraite, de la prière pour tout bagaille, mais de prier que nous puissions cet esprit. Allez, nous prenons de la prière, nous, mais nous oublions que nous avons besoin. L'homme nous a payé, de la prière, de bagaille, de nous manger, l'un nous a fait loin. Nous avons besoin de l'homme pour être levé. Faire son dans. Est-ce que nous perdons du temps nous dans chercher futilité, dans chercher la gaille qui n'est pas trop important? Moi, je dis pas trop important. Parce que pardon, la vie, c'est pour dire, premièrement, voyons mon Dieu, à justice. Et mon Dieu, c'est délire. Comment faire chercher des qui? En vrai, c'est comme si nous voulons acheter Haïti, nous avons acheté Dieu pour ranger la gaille, mais nous ne pouvons pas acheter. Mais comment faire marcher dans la gaille, ils ne sont pas achetés. Comment vous voulez nous mettre? C'est sous son marché là! Mais comment vous faites pas acheter? Vous voulez nous ranger? C'est le fait à nous faire bouger. Nous voulons nous bouger. Tandis que, ça qui est important, pas chercher. Ou si vous voulez continuer à mener la vie, c'est cet esprit. Ou si vous voulez continuer à mener la vie, l'emploi de l'humanité, c'est pas de l'esprit là-dedans. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Pas bon pour nous dans les temps. Alors il a dit que mon café au fond, bon, il nous a dit. Mais je vais aller là, mais je vais pas y aller. Combien de jours par contre, mon café, il a pour bon. Ses oreilles pour bon. Parce que, après tout, on dit, à un moment donné, au son de là, tout est péché. Au son de là, tout est péché. Donc là, ça, c'est bon. Et si l'homme pas que lui là moi si vous ne pouvez pas attendre, c'est le son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous autres qui serons vivants, nous serons transformés. Frères, soyez dans le Seigneur, transformation par caractère. À mèche, l'homme sèche. C'est le son. Besoin. C'est le son. Si vous voulez, vous mettez lui
prière, tout va bien, déjà fini. Ou pas, tant de frères, vous m'approchez. On nous dit, exemple, la fin de cette boutique qui vend là, ou pas, tant de frères, vous m'approchez. Vous pouvez acheter, quand vous connaissez la famille, il y a une bonne gêne là-bas, pour une gêne là, vous priez, parce que la France, pas là. Pour pas fermer, ou pas capable de jouer encore. Lui, déjà, trop tard. Donc, si vous voulez, vous pouvez s'aider, c'est pas le même. Mais la vie,
moins pas jambe reconnaître. Nous avons que les missionnaires là, c'est pour toujours aller par Haïti, par tout côté, vous voyez aller, et c'est là même pas à tout le monde. Mais là, je ne reconnais pas. Dieu ne reconnaît pas. Ils sont pas qui c'est l'esprit. Et si vous êtes qui c'est l'esprit, voilà comme une femme porte, vous êtes déjà là. Amen. Nous avons marché pour descendre. La Bible a fait pas nous. Parce que la fesse connaît nos frères, mais mon Dieu va connaître nous. Nous avons 4 Nazaréens, nous avons 4 Baptistes, nous avons 4 Méthodistes, nous avons toutes qualités. Nous sommes convertis depuis 30 ans, 50, 12 ans, 92 ans, et nous sommes convertis, nous sommes baptisés, etc. Nous avons pris la scène tout le temps. Et puis Jésus patronne. Peut-être que nous avons dit que nous devons être nous devons être bonnes, nous devons là. Et peut-être que nous devons préparer, 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 nous devons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, la Bénobalie, mais regardez dans le livre, dans verset 45, verset 46. L'invité est un appoint pour nous des serviteurs fidèles et prudents. Fidèles! Quelle belle parole nous a apporté. Prudents! Parce que nous supposons prudents. Pas vrai? Nous supposons prudents. Prudents! Pays. Nous sommes des sentinelles et nous sommes des vigiles. Nous devons veiller. Et ceci dans verset 46, il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ici. Trouvera faisant quoi? Nous avons tout le bagage et nous aimons verset A. Verset A, c'est pour Dieu. Nous disons, heureux ce serviteur qui est fidèle pour nous. L'invité vous venez après tout ça. Ce n'est pas ça qu'on fait. Pour garder son frère, où est-ce que serviteur ça a pour Jésus a parlé? Jésus a parlé de serviteur qui est fidèle. Il a parlé de serviteur qui est prudent. Ou pas prudent du tout. Si vous pas acheter l'huile maintenant l'amour avant, ou pas prudent du tout. Mon Dieu, la raison de mon serviteur qui est prudent et fidèle. Quelle est la parole de mon Dieu? Songez première fois, songez témoignage là, songez promesse, mon Dieu fait dans la bouille. Songez ça. Songez. Et de l'eau, qui vous dit, mon Dieu,